Les travaux de notre belle église. Voilà. Bravo. Donc, merci donc à tous d'être venus ce soir. Donc, Madame Isabelle Briquet, sénatrice, pour les gens qui ne connaissent pas notre sénatrice, c'est cette chère dame. Madame Brigitte Lardy, conseillère départementale. Madame Elisabeth Chandia, déléguée départementale adjointe à la Fondation du patrimoine. Mesdames et messieurs les élus, alors j'ai Monsieur Béchade, représentant de la communauté paroissiale Saint-Jacques, Messieurs les artisans, Mesdames, Messieurs les présidents et représentants des associations, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord, je souhaite vous présenter les excuses de Monsieur Seymour Morzy, préfet de Haute-Vienne, Madame Pascale Rodrigo, sous-préfète de Bellac, Rochechouart, Monsieur Christian Redon Sarrazy, sénateur de la Haute-Vienne, Madame Marie-Ange Magne, députée de notre circonscription, Monsieur Jean-Claude Lebois, président du Conseil départemental, Monseigneur Bozo, évêque de Limoges, Père Philippe Padilla, curé de la paroisse Saint-Jacques, c'est notre nouveau curé, Monsieur Luc Judino, architecte, qui n'ont pu se joindre à nous aujourd'hui. Bienvenue à tous. Au nom du conseil municipal et en mon nom, je vous remercie d'être venu assister à l'inauguration des travaux de rénovation extérieure de notre église. Cette journée marque la fin d'un très long processus commencé en 2016. Entretenir et transmettre aux générations futures était un devoir. Voilà pourquoi les conseils municipaux ont décidé la restauration de notre église. Maintenant, permettez-moi de vous relater un peu l'histoire de cet édifice. À cet emplacement était édifiée une église romane qui datait du IXe siècle. Elle fut démolie en 1848 et la construction de l'église actuelle commençant en 1851. Suite à des problèmes de structure, elle fut consolidée puis agrandie en 1880 par la pose des deux bas-côtés. L'église est de style néo-gothique ogival à lancette. En 2016, suite à un problème de décrochage d'ardoise sur le clocher, il fallut le mettre en sécurité. C'est l'entreprise Blanchon qui fut retenue et installa une bâche sur l'ensemble de la toiture du clocher. Suite à cet événement, la municipalité prit la décision, sur les conseils de la TEC, de faire réaliser le levé topographique
de l'édifice et un audit des installations campanaires. Le cabinet Lehmann furent retenus pour ces missions. Après cet état des lieux, l'église n'était pas en état de péril, mais afin de préserver ce patrimoine exceptionnel, notre commune s'est lancée dans un vaste programme de restauration extérieure afin de mettre l'édifice hors d'eau et hors d'air. Les travaux ont été séquencés sur la période 2016-2021 afin de ne pas pénaliser les autres projets communaux. En premier, le conseil municipal lançant un appel d'offres pour le choix de l'architecte, M. Luc Joudineau, architecte du patrimoine, remporta le marché pour assurer la maîtrise d'œuvre. Puis, en s'appuyant sur un partenaire essentiel, la Fondation du patrimoine, organisation privée de France dédiée à la sauvegarde du patrimoine, avec laquelle nous avons décidé de lancer une campagne de mécénat sur 5 années. La convention fut signée ici même le 26 mai 2018. Il nous fallait aussi trouver le financement pour la réalisation de la plaquette d'appel au mécénat populaire, dont le coût s'élevait à 3 000 euros. Elle fut entièrement financée par M. et Mme Piboul, gérants de notre supermarché Carrefour Express. Je les remercie encore chaleureusement de s'être investis pleinement dans cette opération. La première tranche des travaux débuta en 2018, essentiellement consacrée à la restauration de l'ensemble du clocher et de sa partie campanaire, à la pose d'un éclairage extérieur et intérieur et à la création d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales. Suite à l'appel d'offres, les entreprises retenues ont été EP Charpente, ici présent, donc si tu veux te lever, pour le lot couverture charpente, l'entreprise Boussardon de Saint-Sulpice-les-Feuilles, excusez ce soir, pour le lot maçonnerie, et l'entreprise Bonnet de Limoges pour le lot campanaire, paratonnerre et éclairage. Les travaux commençaient fin juin pour se terminer fin octobre, juste avant la journée dédiée à la commémoration des 100 ans de la fin de la guerre 14-18, intitulée Saint-Sulpice retour en 1918. Durant cette période, afin d'associer les habitants au projet, des visites du clocher ont été organisées et commentées sur plusieurs jours. De nombreuses et nombreux Saint-Sulpiciens sont montés en haut du clocher pour les plus courageux. D'autres se sont arrêtés à mi-chemin. Bref, chacun a pu admirer et photographier notre bourg sous un autre œil. Pour dire, je pense que la plus jeune avait 6 ans, qui est montée en haut du clocher, et le plus ancien avait plus de 80 ans. Donc c'était, et c'est vrai qu'on en a tous eu des très beaux souvenirs. La deuxième tranche, débutant en septembre 2019, elle a consisté à la restauration de la toiture et la charpente de la nef et du chœur, des élévations du chevet et de la nef, ainsi que la restauration des vitraux de la nef et du chœur. Suite à l'appel d'offres, les entreprises retenues ont été EP Charpente de Saint-Georges-les-Landes pour le lot couverture charpente, l'entreprise SAS Bouchard de Blanzac pour le lot maçonnerie, pierre de taille, et l'entreprise L'Atelier du Vitrail, ici présent, je sais qu'il doit être monsieur, voilà, là-bas, de Limoges pour le lot vitraux. Elle se termina en janvier 2020. Enfin, pour terminer, la troisième tranche, débutant en septembre 2020, elle a concerné la restauration de la toiture et la charpente des bas-côtés nord et sud et celle de la sacristie, la restauration des parements, la restauration des vitraux et la pose de protection grillagée en cuivre et le remplacement des menuiseries de la sacristie. Suite à l'appel d'offres, les entreprises retenues ont été EP Charpente de Saint-Georges-les-Landes pour le lot couverture charpente, l'entreprise Arsati de Fétia pour le lot maçonnerie pierre de taille,
l'entreprise L'Atelier du Vitrail de Limoges pour le lot Vitro et l'entreprise Blanchon. Elle s'est terminée en février 2021. J'adresse mes félicitations à toutes les entreprises qui ont œuvré sur notre belle église. Je tiens à souligner qu'elles sont toutes de la Haute-Vienne. Aussi, au cours des visites de chantier, j'ai pu constater que les ouvriers étaient passionnés par leur travail, de vrais artistes. D'ailleurs, un ouvrier de EP Charpente, M. François Cadiou, a effectué de très belles planches de dessin représentant les travaux. Une exposition lui sera consacrée. Je souhaiterais que l'on applaudisse les chefs d'entreprise et les ouvriers pour leur travail. Merci à eux. Les travaux de l'église ont fait l'admiration de tous, habitants, paroissiens et visiteurs. Maintenant, parlons un peu finance. Le coût total des travaux réalisés à ce jour s'élève à 800 824 euros. TTC. Cette opération a été subventionnée par l'État au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, pour un montant de 178 187 euros, par le Conseil départemental dans le cadre des CTD, contrats territoriaux départementaux, pour un montant de 105 000 euros, par la Fondation du patrimoine avec 179 donateurs qui ont soutenu le projet à hauteur de 48 402 euros, par un mécène, AG2R La Mondiale, qui nous a financé à hauteur de 20 000 euros, la commune de Nevillers, près Lauterbourg, avec laquelle nous sommes jumelés, avec un don de 2 000 euros, ce qui représente au total une recette de 353 590 euros. La récupération de la TVA devrait s'élever à 131 366 euros, ce qui va alléger un peu la facture finale. Et enfin, pour compléter le financement, la commune a emprunté 310 000 euros. Il nous reste encore la rénovation complète de l'intérieur de notre église. Le coût estimé à ce jour est de 600 000 euros. Il nous faudra attendre quelques années pour terminer ce grand chantier de restauration. Moi, je l'espère de tout cœur, mais le principal était de mettre l'édifice hors d'eau et hors d'air. Pour tous ceux qui le souhaitent, faire un don et investir dans la rénovation de notre patrimoine, c'est toujours possible. Faire un don, même le plus modeste, c'est aider à la sauvegarde du patrimoine, mais aussi pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, à hauteur de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Tous les détails sont à votre disposition sur la plaquette. Vous en avez à disposition dans l'église, vous en avez à la mairie. Mais je sais que beaucoup de gens ont donné plusieurs fois et je les remercie chaleureusement. Avant de passer la parole à la représentante de la Fondation du patrimoine, je souhaite dire merci à vous tous d'être présents aujourd'hui. Merci à l'État, au Conseil départemental de soutenir les projets des communes. Sans ces aides précieuses, il ne serait pas possible de réaliser de tels travaux. Merci à la Fondation du patrimoine, à AG2R La Mondiale. Merci aux 179 généreux donateurs. Merci à Monsieur et Madame Piboul. Merci à la TEC, à l'architecte Monsieur Luc Joudénot et son équipe, à toutes les entreprises et sociétés qui ont participé à cette belle aventure. Merci pour votre travail. Aux élus des deux conseils municipaux qui se sont succédés sur cette rénovation, aux élus des communes présentes, aujourd'hui, ainsi qu'à tous les citoyens. Merci à la commune de Drou pour le prêt de la Seine pour le concert de ce soir. Merci à l'association du foyer rural et au comité d'animation du Lussac Les Églises pour le prêt des chapiteaux, aux établissements Marzé pour le prêt du frigo. Merci aussi à Madame Aufort et à son fils François qui ouvrent tous les jours la porte de notre église pour que les habitants et les visiteurs y soient de passage. Pour terminer, merci aux services techniques ainsi qu'aux services administratifs de notre commune et à mes collègues élus
qui ont participé aux réunions de chantier et suivi ce projet avec bienveillance. Je sais que certains étaient très attachés. Merci. Je vais maintenant céder la parole à Madame Elisabeth Chanlia, déléguée départementale adjointe à la Fondation du patrimoine. Merci, vous les mettrez sur vos pages Facebook, de façon à ce que tout le monde voit que à Saint-Sulpice, ça bouge. Merci. Merci, vous les mettrez sur vos pages Facebook, de façon à ce que tout le monde voit que à Saint-Sulpice, ça bouge. Merci. Thank you.
J'espère qu'on vous aura convaincu. Merci à Monsieur le maire, encore une fois. Alain, je pense qu'on a magnifié son travail, il peut être fier. Vous pouvez l'applaudir, hein, encore une fois, parce que... Voilà. Lève-toi, Alain. Voilà, c'est grâce à lui, car c'est ce qui... Vous avez un harmonium, vous avez des tailles le prochain, ce n'était pas ça. Voilà. La parole au chef. Ben, je pense qu'on peut les applaudir encore de nouveau très très fort. Je voudrais dire que nous avons assisté à un très très beau concert. Je suis heureux que le conseil municipal ait décidé d'inaugurer ce bel instrument et nous avons eu la chance ce soir d'assister à un très beau concert et j'espère que ce ne serait que le début d'une longue histoire. Merci à vous. Merci à toi, Patrick, pour m'avoir conseillé et aidé. Merci à Alain pour ton travail. Ça a été une soirée de remerciements. Je pense que tout le monde le méritait. On a réussi à faire une belle inauguration. Je pense qu'elle restera dans les mémoires de tous et je pense que l'on aura la chance de se revoir pour refaire de nouveau un concert avec l'harmonium parce que nous avons assisté à vraiment une très belle soirée. Je vous remercie bien sûr tous d'être venus. Vous pourrez dire à tous vos amis qu'ils ont loupé une belle soirée. Et je vous invite, à ceux qui le veulent, de venir demain assister aussi à un beau concert. C'est donc les chorales, voilà, de manière cabale, qui nous font l'honneur de chanter une bonne partie de l'après-midi. Donc j'espère que vous serez parmi nous. Merci à vous, et merci à vous aussi encore.